Bonjour à tous. Le Perche est une région magnifique. Je sais de quoi je parle puisque je m'y suis installé. Je prends la parole aujourd'hui car le Perche risque d'être défiguré si on n'agit pas maintenant. En effet, L214 vient de m'informer qu'un élevage intensif de poulets allait s'étendre à la lisière de la forêt de Belém. Le projet entassait 58 000 poulets ou d'autres volailles dans deux bâtiments d'élevage pour le groupe LDC et ses marques Le Gaulois et Maître Coq. Avant même d'en avoir l'autorisation, sans étude d'impact sur l'environnement, l'éleveur a rempli ces deux bâtiments avec des seuils qui dépassent son autorisation actuelle. Les conséquences font froid dans le dos, risque de pollution des sols et des eaux, mais aussi des nuisances pour les riverains, le passage de camions pour livrer la nourriture, composée notamment de soja OGM et d'antibiotiques, et le passage de bétaillères pour envoyer les animaux à l'abattoir. Les animaux, parlons-en. Ils sont dans un état pitoyable. Des poulets boiteux, des morts au milieu des vivants. Ils vivent sur une litière souillée qui leur brûle la peau. Les poulets ont été ramassés la nuit, jetés dans des caisses, direction un abattoir du groupe LDC. Beaucoup détournent le regard de ces images. C'est bien parce que ces pratiques sont intolérables. Le groupe LDC doit cesser de recourir à des races de poulets sélectionnées génétiquement pour grossir anormalement vite et cesser de les entasser à plus de 20 par mètre carré sans aucun accès à l'extérieur. L214 porte plainte contre cet élevage hors la loi et des associations locales agissent pour que le projet ne voie pas le jour. Vous pouvez nous aider en signant dès maintenant la pétition pour demander à LDC d'arrêter de soutenir le développement du pire élevage intensif. Je compte sur vous.